Bonjour à toi. Cette vidéo est une vidéo sur le fait de se demander si nous sommes des dieux ou des charlatans. Grande question, n'est-ce pas? Alors cette réflexion m'est venue par rapport à une discussion avec une personne que j'en contacte sur Facebook qui, en découvrant que je proposais des soins aux gens, eh bien, m'a traité de charlatan. Il m'a dit, il m'a écrit, en fait, tout ce que vous proposez, tous autant que vous êtes, eh bien, ce n'est pas vrai, vous mentez aux gens, et donc ce n'est pas bien. Et je comprends sa réflexion. Et donc, sommes-nous des dieux ou des charlatans? Eh bien, je dirais que tout est une question de point de vue. Un dieu, eh bien, sincèrement, je pense que nous le sommes tous. Nous sommes tous des dieux pour nous-mêmes, et c'est déjà pas mal. Pourquoi? Parce que nous avons la capacité de créer tout ce que nous voulons. Et je pense sincèrement que, quand on est convaincu de ça, eh bien, nous sommes capables de vraiment beaucoup de choses et d'arriver à beaucoup de choses. Et pour les personnes comme moi, qui sommes dans l'accompagnement des gens pour leur permettre de vivre mieux, un quotidien qui parfois peut être plus compliqué parce que voilà, le corps n'est plus comme il devrait fonctionner, etc. etc. Eh bien oui, je suis peut-être un dieu. Allez, soyons fous. Je suis peut-être un dieu parce que tout simplement, je crois en ma capacité d'aimer mon prochain. Et c'est là, je pense, où nous sommes tous des dieux. Nous avons tous cette capacité d'aimer notre prochain et lui vouloir du bien. Et je pense très sincèrement qu'accompagner les gens dans leur quotidien pour leur permettre d'être mieux avec eux-mêmes, c'est cela en fait. Ce n'est pas proposer des miracles incroyables par une magie quelconque. Non, c'est juste que nous sommes déjà présents pour eux, avec énormément d'amour à leur donner, et où nous essayons vraiment de tout notre cœur de les accompagner un maximum. Et je pense qu'à ce moment-là, eh bien, nous ne sommes pas des charlatans, car... nous sommes vrais. Nous sommes vrais tels que nous sommes, avec certainement des imperfections en nous, mais nous ne mentons pas sur ce que nous proposons et sur ce que nous faisons aux gens. Nous sommes simplement nous, tels que nous sommes, dans notre réalité du présent, avec des qualités et des défauts. Voilà pour cette petite réflexion du dimanche. Je te souhaite une belle journée et je te dis donc à demain pour une autre vidéo de la Minute Bonheur. Au revoir.